Hey yo les gens, c'est Flotonydu71. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça pète la forme, j'ai la patate comme d'habitude. Et aujourd'hui les gars, nouveau tuto sur Black Ops 3 en mode zombie sur la map The Giant, soit le remake de Triarch sur Black Ops 3. Aujourd'hui les gars, ce sera pour un nouvel easter egg. Aujourd'hui l'easter egg, ça va vous apprendre à récupérer l'arme du mode multijoueur sur le spécialiste, je ne pourrais pas me dire le nom, mais l'arme Annihilator, vous savez le petit gun ou une petite sorte de magnum qui one shot à tous les coups, et ben on peut aller la voir sur cette map The Giant. Donc vraiment les gars, c'est un tuto très simple qui va se dérouler en plusieurs étapes, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile et c'est accessible à tout le monde. Donc la première étape les gars, c'est d'améliorer votre arme. Donc pour ceci vous devrez vous disposer de 5000, voilà, ensuite vous devrez améliorer n'importe quelle arme, ça va marcher avec n'importe quelle arme, comme je viens de faire dans la vidéo. Donc pour activer le pack à punch les gars, vous devrez activer les 3 téléporteurs et les relier au téléporteur principal, donc celui du spawn. Donc si vous ne savez pas comment faire, regardez sur YouTube comment activer les 3 téléporteurs, etc. Mais vous inquiétez pas les gars, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite quand vous aurez fait ça les gars, vous devrez activer ce que vous voyez en ce moment même dans la vidéo, en tirant comme un malade sur le petit piège avec une arme améliorée, pour faire ensuite apparaître Richtofen, enfin pas apparaître mais plutôt il va vous parler et il va vous dire qu'il faut faire un cache-cache. Et là vous allez maintenant débuter un cache-cache avec lui pour trouver 3 des débires cachés dans la map. Donc vous voyez les petits débires, comme d'habitude c'est les petits easter eggs qui sont souvent présents dans les Call of, donc c'est les petits oursons. Donc le premier ourson se trouve au-dessus du courant, en gros, du générateur électrique. Lorsqu'on active le courant, vous devrez tirer sur le bâtiment avec une arme améliorée, un peu n'importe où, et pour voir que vous avez bien réussi, normalement Richtofen va vous reparler. Ensuite, le deuxième TDBR se trouve vers le premier, téléporteur, dans un four crématoire. Donc les gars, pareil, vous devrez tirer un peu près n'importe où, car franchement la map, on va pas se le cacher, elle est quand même assez sombre, mais si vous avez bien réussi, normalement Richtofen va vous parler une nouvelle fois. Et là les gars, le troisième éternité des bières se trouve dans une cuve aux premiers étages, donc où il y a le troisième téléporteur. Donc pareil, là vous devrez sauter, par contre cette fois-ci pour pouvoir atteindre le TDBR, donc vous devrez sauter avec une arme améliorée et tirer. Et si vous avez bien réussi, et bah Richtofen va vous parler une nouvelle fois. Et là les gars, pour redescendre oh désolé les gars, sur l'étage en dessous, comme vous allez voir dans la vidéo, pour pouvoir récupérer dans le four le annihilateur. Donc quand vous ouvrez l'annihilateur, vous appuyez sur carré et après vous appuyez sur L1 plus R1 pour le déclencher. Donc c'est une arme qui se recharge au fur et à mesure. Et franchement les gars, elle one shot, pour l'instant jusqu'à je suis allé à la manche 30, elle one shotait jusqu'à la manche 30. Donc franchement les gars, ça envoie du lourd. Et franchement c'est encore un bon easter egg de la part de Triarch. Donc c'est un easter egg qui était déjà présent dans la version World at War et Black Ops 2 Rise, mais il n'avait rien du tout à la fin, c'était juste un petit easter egg comme ça, mais il n'y avait pas à la clé une arme spéciale, etc. Donc franchement les gars, ça envoie du lourd. Donc les gars, putain désolé toujours les gars. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Donc moi je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. Allez, piston, c'était Flotonydu71.